Au Japon, les météorologues disent que le typhon Kanun est sur le point de déverser des pluies abondantes et prolongées sur l'une des principales îles de l'archipel cette semaine. Cela a notamment forcé les commémorations de l'événement atomique de Nagasaki à se tenir à l'intérieur. Les médias locaux affirment que Kanun a tué au moins 2 personnes dans la région sud d'Okinawa la semaine dernière, en a blessé plus de 100 et a coupé l'électricité à des centaines de milliers de foyers. L'agence météorologique japonaise a déclaré que le typhon devrait se diriger vers le nord à l'ouest de Kyushu mardi et mercredi avant de se diriger vers la Corée du Sud. L'agence a également mis en garde contre des catastrophes secondaires telles que des inondations et des glissements de terrain.